Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle journée. Moi, je suis toujours comme ça, je vous jure. J'ai toujours mal, surtout le matin lorsque je me lève. Sinon, là. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. Regardez, j'ai mis le soin et ensuite je voulais mettre un petit truc brillant pour la vidéo, mais il n'a pas séché. C'est juste une cata. Allez, on va être nécure ce soir. Voilà, vous allez supporter ça. Alors, l'Occitane, on est quoi aujourd'hui? Je vous jure. Ah, aujourd'hui c'est la journée 6. Il faut vraiment que je fasse attention pour ne pas me tromper entre le 6 et le 9. Même si révolution, je suis sûre que je vais le faire parce que j'ai inversé déjà. Alors, là je perds beaucoup de temps là. Il est où le 6? Est-ce que vous le voyez? Adopte. D'ailleurs, franchement, je suis ravie. C'est la première fois que j'essaye le calendrier. Je trouve qu'il y a plein de parfums pour découvrir. Et d'ailleurs, je vais vous le faire gagner. Je vais vous faire gagner le même dans quelques jours. Avec ça et un coffret. Un de leurs coffrets qui sont magnifiques. Voilà, il ne faut pas que j'oublie. Je vais le faire dans quelques jours. 6. C'est quoi la forme? C'est une crème. Bon, on s'en fout de la Night Nature. Parce que... Oui. Ah, à droite. Et donc le 6, c'est lourd. Un rouge à lèvres. Ah oui, oui, oui. Je me rappelle, la couleur était magnifique. Avec une seule main là. C'est pas évident. Jolie. Par contre, pour révolution, je sais pas lequel est le 6, lequel est le 9. J'ouvre ça, j'ai envie d'ouvrir le carré. Et la prochaine fois, on ouvre ça, c'est soit un crayon, soit un pinceau. Allez, c'est très léger, très très léger. J'arrive pas. Yes. Trop mignon. Pour l'anti-cerne, franchement, j'adore. Le Glossy Box. C'est léger. Polar. C'est quoi? C'est laquelle? Ah, c'est la crème hydratante connue de chez Polar. Vanille de Provence. Une crème à la rose. Savon. À chaque fois, on me dit Nejmat, cette année, t'as pas chanté celle de Savon. Comment elle s'appelle déjà la chanson? Comment? Savon Tnash, mais. Aïe, aïe, aïe! J'ai oublié. Voilà, vraiment beaucoup m'ont dit, t'as pas chanté cette année, et bah, c'est fait. Ah là là, souvenir de cette chanson qui a, je crois, 100 ans. Donc c'est un parfum eau de savon.
سابونة ناشرة. Right here, little things. It's a little thing. It's small. C'est quoi? Ah, Lime Crime. J'aime beaucoup cette marque. Ça fait longtemps. Et c'est quoi? C'est un gloss. Franchement, ravie. J'aime beaucoup cette marque. Blissime. C'est la première fois aussi pour moi et vraiment ravie. Ah non, ah, faut pas que les boîtes tombent. On est quoi? 6. Il est bien le 9, il est bien en place. Oui, le 9 est bien en place, donc c'est bien très léger. C'est quoi? Ah oui, j'arrive pas. Ça, exfoliant, c'est un exfoliant pour les lèvres de la marque. C'est une marque connue quand même. Glow, il sort. Ah, je crois que c'était un produit. Ok, ah, que ça. Là, nous on a. Vraiment, c'est une jolie découverte parce que nous, bon, après, ça dépend des pays. On a besoin de ça pour bien gommer le corps. Et là, apparemment, ça existe pour les lèvres. Hâte de le tester. Le Gimme Brow, la brosse pour sourcils que j'aime beaucoup. Un des produits à tester chez Benefit. Je viens de vérifier. C'est bien le 6. Alors. Ici, 6. Oui. Lequel est 9? Lequel est 6? Là aussi. On ouvre ça. Et la prochaine fois, on ouvre ça. Parce que normalement, on met un truc là, comme ça, pour dire que c'est 6 ou c'est 9. Mais bon, pas grave. On laisse le grand pour la prochaine fois. Un rouge à lèvres. Ah, si ma mémoire est bonne, c'était un très joli nude. Oui. Très jolie couleur. C'est un bois de rose. Magnifique. Même le raisin, c'est joli. Joie. C'est des feuilles matifiantes. Ouais. Très bon. Chaque année, il vient celui-là. Donc, c'est un bon pour les lèvres. Ici. Ah, en plus, j'en ai plus. Ravie. Je l'adore celui-là en plus. Un top coat. Ravie. Armani. Mini rouge à lèvres 400, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est le rouge à lèvres le plus connu pour ceux qui ont vu ma vidéo YouTube de son unboxing. Vont comprendre lorsque je dis 400. Franchement, il est top ce rouge à lèvres. Gueule. 6. Chaque fois, je cherche le 9. En tout cas. Normalement, je ne me suis pas trompée. C'est ça, 6. Ah oui. Un flop. Aujourd'hui, il ne sera pas en première position. Sûrement. Bon, c'est un... Comment dire? Ah! Je perds mes mots. Je perds mes mots. Dior. 6. C'est un oui. C'est le soin super potent. 7, non? Ouais, normalement, c'est la journée 7.
Et sur YouTube, vu que hier j'ai posté que le vlog, donc je vais faire les unboxings de 6 et 7 sur YouTube. Sinon, je voulais vous dire rendez-vous demain à 18h pour un big, big concours parfum, des parfums magnifiques. Donc, demain. L'Occitane, je vous jure, j'arrêtais pas de rigoler, même si j'ai très très mal au dos et au cou. Mais là, ces vidéos, elles me font. J'arrêtais pas de rigoler. Franchement, ça fait du bien. Donc voilà, c'était ma tête lorsque j'ouvre 6 olio du 9. Et beaucoup ont vu ma tête. Pour, je crois, je me rappelle plus quelle vidéo sur YouTube où j'ai eu le même souci. Chaque année, j'ai le même souci. Chaque année. Avec la case 6 et 9 et même d'autres, je crois. Surtout lorsqu'on a 17 calendriers. Alors, là, c'est un gel douche. Je vais vous embêter avec ce genre de vidéo. Et là, ça quitte pas ma tête, la musique. Même si j'ai mal au cou et au dos, mais j'essaie de faire la même chose. Vous avez le tourné? Oh là là, je suis folle. Alors, marrant, c'est... bon, marrant. Oh là là, Nejma, sérieux. Ok, c'est un crayon pour les yeux couleur marron. Attends, on va voir en 2000, en 2020, c'était quoi? On compare. Ah, magnifique. Franchement, magnifique. Ah, beaucoup me demandent les références, donc c'est le Cupid. Révolution 2021. Dans la quête d'un pinceau. Comment je... Ah, très jolie couleur. C'est un crayon à lèvres aussi, normalement. J'espère, oui. Très belle, cette couleur. Voilà. Alors, vos préférés. Adopte. J'ai utilisé ça pour commencer. Donc, Adopte parfum. Journée crayon. C'est un crayon. Attendez, comme ça, ça tombe pas. J'allais ouvrir le glossy box. Je vous jure, j'ai terminé les 15 secondes et ensuite j'ai fait. J'ai oublié de vous raconter mon histoire pour la photo d'aujourd'hui. Donc, pour celles qui l'ont vue, c'est le parfum à Lancôme. Eh ben, pour réussir à avoir un pchit en photo, parce que c'est un vrai, hein. Je l'ai accentué un tout petit peu, mais c'est un vrai, hein. Pour l'avoir, j'ai vidé un tiers du parfum. Pour refaire la ma maison. Elle sent, la vie est belle, partout. Heureusement, j'ai mis en bas mes manteaux. Donc, j'ai mis mes manteaux en bas et j'arrêtais pas. Donc là, tous mes manteaux sentent, la vie est belle. Heureusement que c'est... Les manteaux. Un intrus. Les manteaux, le salon. Moi, même après une douche, je sens toujours la vie est belle. Ah là là, franchement, et je me suis pas, et là j'ai vu, oh, à ce point, lorsque j'ai vu, parce que lorsque je suis en train de faire des photos, on se rend pas compte, en tout cas. Je suis ravie, j'ai réussi à capter, à capturer le pchit en photo, parce que le mode portrait, ça marche pas, le mode, donne-moi les ciseaux. Non, 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 il va voler. Il veut voler le calendrier Billy Fit parce que c'est le plus petit et le plus facile à embarquer. Toi, tu prends pas. Allez, on continue. Là, j'ai trop parlé. Compagnie de Provence. Oh non, 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 non. C'est normalement un
bon pour les lèvres. C'est la forme. Oui. C'est quoi? C'est un gommage à la lavande. Mine de rien, les calendriers commencent à devenir plus légers. Déjà, le petit little things, c'est juste 12 jours. C'est très léger. Ah. Ouh. Faut que j'apprenne à les porter. Je sais pas du tout utiliser des fossiles. Une fois j'ai essayé, j'ai rempli mes yeux de colle pour rien. Voilà. Donc Pretty Little Things. Glycine. C'est léger aussi. Franchement, j'adore. Je vais garder celui-là. Sérum unifiant. Lancôme 7. Comme par hasard. Je vous jure, je sais pas, c'est pas fait exprès. Hein. La vie est belle. Un gel douche. Super. Direction. Ma salle de bain, celui-là. Désolée, je suis pas encore entrée pour les calendriers. Je vais là, j'étais posée derrière pour travailler un petit peu la photo du concours pour qu'elle s'accorde avec le feed, etc., etc. On termine toujours. Regardez la couleur. C'est un vieux rose magnifiquement très mat. C'est pas le genre de rouge à lèvres que je porte, mais la couleur est magnifique. Allez, j'arrête de parler. Lancôme 7. C'était là. La gamme noire, je connais pas. Elle est noire, non? C'est quoi? C'est la gamme génifique? Non. Quoi? C'est un soin teinté. Voilà. Soin teinté unifiant anti-cerne. Beige sable. Ok. Un soin Lancôme. J'ai jamais testé. Je connais pas du tout. Hâte de voir. Ah, d'accord. Chapeau fille unique, là vous êtes fort. Charlotte Tilbury. Yes, darling. Et oui, je faisais les calendriers depuis 2017. Et 2018, j'avais le Estée Lauder, j'avais le film unique, il y avait là le Lancôme. Là là. Alors, 7. Si ma mémoire est bonne, c'était le Oula. Miniature du Oula. Non, 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 pas toi. Toi, tu dois. Voilà, viens là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la miniature du bronzer. Non. Voilà. Maza ou l'autarat. Il est tout déglingué. Regardez. Et chaque année, c'est pareil. Bon, 7. Ah, on est sur le bon, non? Bon, c'est quoi? Voilà, c'est un sur le bon. Vous pouvez répondre. Est-ce que les champignons, c'est végétal? La parole. Maybelline. Je me rappelle, ça fait 2 ans, Lilia m'a dit, elle avait Maybelline New York. Elle m'a dit, ah, tu l'as acheté à New York. Ah, j'aime bien ça. En plus, j'en ai plus. En plus, normalement, c'est un 2 en 1. Ouais. Je l'adore. C'est une base et top coat. Donc, vraiment ravie. Bourgeois. Ah oui, c'est la fameuse poudre de riz apparemment qui a existé depuis très longtemps. Parce que j'ai vu, voilà, 150 ans. Armani.
Oui, c'est un miniature parfum pour Armani Code. La ruche, normalement aujourd'hui c'est pas un flop comme hier. Normalement c'est un parfum, c'est lequel? Neroli Outre Noir. J'ai fermé la porte parce qu'il me pique des choses, il s'enfuit. Voilà, donc c'est elle va rejoindre les autres. The Last One. Le rouge. Donc c'est une petite miniature du rouge. Je ne fais pas de comparatif avec les Dior 2019-2018. Je vais consacrer une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Ça, c'est les rouges normales. Et ça, c'est le rouge miniature. Celui-là, c'est celui de l'année dernière. Ou peut-être je l'ai eu dans un coffret ou un truc comme ça. Mais bon. Voilà. Alors. Ça, c'est les collections Dior de Noël. Cette année, il y avait Bordeaux, il y avait un truc comme ça. Il y avait un rouge. I keep on falling.